Allô? Est-ce que c'est tout est rentré dans l'ordre ou pas encore? Oui, on peut continuer. Oui, ok. Bon, est-ce qu'on était, flacné chez du nouveau-né ou l'acné infantile? L'acné infantile, lorsque ça persiste, donc soit c'est un acné cosmétique dû aux produits cosmétiques et les lingettes, etc. Ou là, il faut chercher une origine endocrinienne sous-jacente. Mais ça relève de la pédiatrie. L'étiologie particulière endocrinienne, c'est la. Erreur. Ah. Qui va? Mangi, c'est le micro. C'est bon. Je me dis ça, Mangisouche. Voilà. Donc, ok, les étiologies particulières, il y a tout d'abord les étiologies endocriniennes, et surtout chez la femme, c'est la maladie des ovaires polykystiques. La maladie des ovaires, c'est l'ovaire polykystique, c'est le syndrome de Klein-Löwenstein. Il est associé à des signes d'hyperandrogénie. Signes d'hyperandrogénie, comment ça se manifeste? Comment ça se fait? Achira! Comment ça se manifeste? Mettre à niveau. Arwaha! Docteur, on entend bien. Allô? Oui, docteur. Zetra? انا ما نحبش انا ما نجيش نسخر هذا كل مجال وحدها بلا ما قص ها دونك قلنا لا Maladie des ovaires polykystiques, c'est une origine endocrinienne associée à des signes d'hyperandrogénie, signes d'hyperandrogénie et à l'hirsutisme, l'alopécie, des troubles des règles. Et ça touche surtout les femmes, c'est une acné féminine et parfois les résistances au traitement. Voilà, un hirsutisme, c'est perpilosité, blanchâtre, parfois noirâtre, associé à une alopécie androgénétique, c'est un éclaircissement de la partie frontale chez la femme. C'est par exemple l'équivalent chez l'homme, c'est la peau qui est. Le cuir chevelu est totalement glabre, c'est pas comme la femme. La femme, il y a un éclaircissement de la région frontotemporale, pariétale. Donc, par exemple, chez l'homme, l'équivalent, c'est l'alopécie totale. Voilà une autre. Les acnés médicamentaires, c'est lorsqu'il y a, par exemple, les acnés médicamentaires, on appelle ça des acnés médicamentaires ou des éruptions acnéiformes. C'est surtout des androgènes. On le voit surtout les gens qui font pour le footing, etc. etc. Les artères, etc. Les pilules œstroprogestatives, les corticoïdes, les anti-épileptiques, etc. On va tout à l'heure le voir. Acné induite par les corticoïdes per os. Quand on a une éruption acnéiforme. L'éruption acnéiforme médicamenteuse, à la différence de l'acné classique de l'adolescent, c'est qu'il n'y a pas de point noir, il n'y a pas de comédant, c'est uniquement des papules pustules, c'est tout, il n'y a pas de comédant. Voilà, pardon.
corticoïdes, parfois générales. La driamycine, c'est pour une leucémie. Ouais, le G-facteur, c'est pour les follicules. Au cours d'un truc, comme on appelle. Pardon. Le traitement pour le cancer colorectal, c'est la biologie, biothermie, traitement biologique. Voilà, l'acné induite au gardénal, parce qu'elle a des convulsions.